Bonjour, nous sommes à la fameuse grotte dont nous sommes juste à côté et nous allons, voilà, nous sommes entourés de vignes dans le sud de la France et nous allons rejoindre cette grotte pour enfin, voilà. Bon là nous sommes à la grotte, à de suite. Alors là, nous sommes sur le parcours de la grotte. Il y en a des touristes là-bas. Et si on les voit bien. Donc nous allons rechercher cette fameuse grotte. En bas, je suis avec mon amie Magali. Bonjour Magali. Alors. On fait un petit détour et nous allons rejoindre cette grotte parce que les gens en arrivent. Là-bas, c'est le château de Ferrand. Voilà. Alors, nous sommes en plein jour, bien sûr, avec un soleil temps magnifique. Degrés, feu, 38, 37. 38. Allez. Quel calor. Alors, où elle se trouve? C'est peut-être... Par là. Allez, suis. Nous sommes sur le parcours de la grotte à l'ombre. À l'ombre, à l'ombre. Oui, je vais te passer les cadeaux, le malmètre. Nous sommes dans le chemin. 2 minutes. Je vais m'arrêter et te donner le matériel. Les téléphones sont éteints. Magali se prépare. Voilà. On fait un soleil magnifique. Oula. Alors, nous sommes dans un chemin à l'ombre. À l'ombre. Eh ben. Voilà. Grotte. Les grottes. Ce soir, nous allons pique-niquer ici. Hop, bestiole. Je sais pas, je t'ai pas parlé parce que j'étais surprise, j'avais pas vu dessus, j'ai vu deux salpes. Ouais. Ah. On va essayer de rentrer, vas-y. Bonjour. Bonjour. Je suis avec Magali, je m'appelle Eric et je voudrais rentrer en contact avec vous. Bonjour. On va longer.
Alors là, nous sommes dans le grand couloir de la grotte. Devant toi. Oui, bien sûr. Y a-t-il quelqu'un parmi nous? Est-ce que vous pouvez toucher le K2, s'il vous plaît? Bonjour. Y a-t-il une entité avec nous? Est-ce qu'il y a une entité en bien pour nous, en concret? Alors, je viens de voir un truc là. Ce qui est écrit là, esprit nomade, ça a été gravé. Il y a beaucoup de gravures d'ailleurs. Ouais. Il y a beaucoup de gravures sur les murs. Bonjour. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Alors je vais installer des caméras infra et nous allons les laisser en fonction. Voilà. T'as toujours rien, Magali? Non. Non. Écoutez, je vous dis à de suite. La fameuse grotte. Alors j'ai installé deux caméras à l'interne, c'est-à-dire début de la grotte, à partir le long de la grotte, jusqu'au bout, dans l'autre sens, de manière à ce qu'il y ait un tir groupé, qu'elle se croise. Là, j'ai mis le même mètre, le même metteur, si vous, comme vous voulez. Là et là-bas, j'ai mis le cadre au fond. Ouais. Vas-y, je vais monter. Et là, j'ai installé détecteur. Là, et un détecteur à l'autre bout de la grotte que nous allons laisser tranquillement enregistrer. Voilà. Alors la grotte, vous voyez, c'est une étendue, hein, ça va être extrêmement loin. On a récupéré le cadeau. Voilà, ça va hyper loin. Hein. J'essaie de donner le maximum. Hein. Voilà. Et je vous dis à de suite. Voilà, je suis Magali. Alors, la caméra tourne interne, on aura pris le cadeau et le malmetteur. Nous allons, comme il fait jour, nous allons laisser les caméras non, parce que j'y vois rien avec le soleil tourner, oui, mais ça reflète. Voilà, hein. La grotte hein, en elle-même, elle est longue, hein. Elle est très 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 longue. Mais bon. Non. Nous avons un grillon, là aussi. Bonjour! Y a-t-il quelqu'un avec nous?
Oh, n'hésitez pas. N'ayez pas peur. Nous sommes là pour entrer en contact avec vous. Je suis Eric et je suis avec Magali. Caméra qui tourne au sol. Une pierre croisée. Nous verrons bien ce que cela donne. Voilà. Grotte intérieure. C'est bizarre, hein? Comment on peut creuser autant de choses magnifiques. On voit sur les murs, là. Bonjour. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Est-ce que vous pouvez toucher le K2, s'il vous plaît? N'hésitez pas, ça fait pas mal. Au contraire. Alors, comme vous pouvez voir au sol, là, ici, là, tout le long, c'est rempli de chaises. Comme des bancs, comme des chaises. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà. C'est comme des chaises. On dirait qu'il y avait des rois ou je sais pas, c'est bizarre comme truc. Alors c'est rempli de gravures, hein. Partout. Partout, il y a de la gravure. Est-ce que c'est maintenant ou après? Je pense pas. Alors nous allons sortir. Le parcours. Ah là, il y a des... Bonjour. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Est-ce que vous pouvez vous rapprocher? Vous me serrez la main par exemple? Non, allez, faites bien. Est-ce qu'on peut rentrer dans votre belle demeure? S'il vous plaît. On ne vous entend pas, nous. Est-ce que vous pourriez toucher le K2 pour nous dire oui? Alors le K2, c'est ce que tient Magali dans la main. N'hésitez pas, moi je vous filme. C'est pour avoir un souvenir de vous. Déjà? La bouteille d'eau fait du bruit. C'est pas grave ça. Ah ouais, mais c'est pénible. Ouais, je suis en plein soleil. Et voilà l'entrée, la fameuse entrée de la grotte. Eh ben. Bonjour! Appelez-vous votre seigneurie.
veux qu'on aille où tu as pris les photos? Ou pas? Oui, je veux bien. J'ai pris des photos avec mon portable que je rééteins tout de suite après. Wow. Bonjour. Y a-t-il quelqu'un avec nous? N'hésitez pas, rapprochez-vous. Nous sommes inoffensifs. Est-ce que vous pouvez toucher le K2, s'il vous plaît? Le boîtier gris de Magali? Nous sommes dans la grotte. Et il fait sombre. Et dehors, il fait très chaud. D'ailleurs, je vais le temps que l'entrée principale. L'entrée de la grotte qui a été aménagée. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher, s'il vous plaît? On voudrait rentrer en contact avec vous. Est-ce que vous pouvez toucher le fil bleu du manomètre, s'il vous plaît? Ne vous inquiétez pas, c'est inoffensif. Et si vous voulez rentrer en contact avec la Spirit Box, ce qui me permet de vous entendre, touchez le fil bleu, s'il vous plaît. Allez, un petit effort. Alors, nous avons installé des caméras un peu partout. N'hésitez pas. Ça serait gentil de votre part. Ces appareils ne font pas de mal, au contraire, ce que je tiens à la main c'est une caméra et des lumières. Et Magali c'est le K2 et le melmetteur. N'ayez pas peur. Rapprochez-vous, s'il vous plaît. Un petit effort s'il vous plaît. Soyez gentil. Vous avez une très très belle grotte. Elle est magnifique. Et on voudrait rentrer en contact avec vous, s'il vous plaît. N'hésitez pas. Je peux avoir entendu un bruit de pas, mais il n'y a pas de voisin dessus. Bon, enfin. Bonjour. Rapprochez-vous. C'est que des lumières. C'est pour vous voir. On voudrait rentrer en contact avec vous. S'il vous plaît. Je sais pas exactement ce que c'est ce truc là, mais c'est magnifique, ouais. C'est un truc de fou quoi. C'est... Non, j'avais pas vu tout à l'heure, j'avais pas lu. Ah voilà, c'est là. Ah, plus clair, là. C'est là où j'étais tout à l'heure. Ouais. Non, c'est pas celle-là, mais. Non, bon. C'est là. Il y en a trop. Là, je veux savoir ce que c'est tout. Ben oui. Bonjour! Simplement des aérations. Parce qu'on voit de l'autre côté. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? N'hésitez pas. Un petit effort, s'il vous plaît.
S'il vous plaît, rapprochez-vous. Ben suivez-moi alors. Mais si vous voulez pas vous rapprocher, suivez-moi. Ah, waouh, super labyrinthe. Il y a des niches. Ah, il y a des niches, c'est bizarre. Hein. C'est... Qu'est-ce que c'était ça? Franchement, je peux pas vous dire, messieurs, ce que c'est, messieurs dames, ce que c'est exactement, mais voilà, nous avons découvert ça. Oh, une salamandre. Oh, regardez ça, une salamandre. Très rare. On cherche un frère. Très rare. Salamandre. Magnifique. On va la laisser tranquille. Bonjour. C'était là que j'étais tout à l'heure. Ouais. Alors, et là, oh, c'est, mais on dirait, je sais pas, on dirait un semblant d'église, un truc comme ça, quoi. Bon, s'il vous plaît, je sais qu'il y a quelqu'un. Je ne sens pas naïf, hein. Comme d'hab. Est-ce que vous pouvez allumer le K2? Mon prénom c'est Eric et je suis avec Magali et nous allons revenir ce soir vous voir. Allez, n'hésitez pas, rapprochez-vous, sortez-vous du coin là. Là, de l'angle. Dessus là. N'ayez pas peur. Moi, j'ai pas peur de vous. Alors, vous devriez pas avoir peur. Au contraire, nous sommes un ami. S'il vous plaît. Magali, sur sa main gauche, elle a le K2. Allumez-le. Et le melmetteur, s'il vous plaît, touchez le fil bleu. Allez. Nous savons qu'il y a des personnes qui sont venues ici et qui ont vu sur une caméra, sur un film, une ombre passée. Est-ce qu'elle est là, cette entité? S'il vous plaît, on ne veut pas de mal. On voudrait juste rentrer en contact avec vous. S'il vous plaît. Un petit effort. Faites du bruit. Bon, je vais rejoindre Magali. Bon, nous savons jamais que quelqu'un. Enfin, quelqu'un a vu ce que nous avons vu récemment. Voilà. Que des labyrinthes. Oui, c'est un vrai labyrinthe. Je devrais te voir ressortir d'un côté comme de l'autre. Hein. Non, non, non. Mais tu risques rien. Tu ne risques absolument rien. On va rigoler un peu. J'ai amené la Kalachnikov encore. Il y a tellement de couloirs que oui, oui, je ne sais pas si tu as tout vu. Attention, il y a même la chaussée une barre. Mais... C'est du bois. Je tiens une barre à mine ici. Attention ouais. Ici. Oui, oui. Ouais, c'est.
Alors là, il faut être hyper balèze pour mettre trois pierres, enfin deux pierres, l'une sur l'autre. Il est où, Monster? C'est qui a mis la pierre là-dessus? Il est fort. Moi, je peux arriver peut-être à soulever celle du dessus, mais celle du dessous, mouse costaud, hein? Allez, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. N'hésitez pas. La plante n'avait pas mis du désert. Ça pousse pas comme ça. Mais bon, comme vous voyez, c'est des niches. Hein. On dirait des trucs des niches de prière ou un truc comme ça. Hein. Je sais pas. Voilà. Alors regardez. Voilà le. C'est magnifique. C'est beau. C'est très joli chez vous. Regardez ça. Bonjour! Fameux trou. Est-ce que vous pouvez détecter le K2, s'il vous plaît? Tiens, il est là. Ils sont là. Voilà! Là, s'il vous plaît. Je vais essayer de le faire tenir en équilibre avec le multimètre. Allez, s'il vous plaît. Voilà. Est-ce que vous pouvez toucher le fil bleu, s'il vous plaît? Soyez gentil. Mon prénom c'est Eric, je suis avec Magali. Soyez gentil, rapprochez-vous, n'ayez pas peur, ça ne fait pas de mal. Allumez-moi le K2, le boîtier gris sur la gauche là. S'il vous plaît. Alors, ton appareil, il est dans mon sac à dos. Voilà. J'ai pris des photos avec mon appareil photo. Avec, pardon, avec mon portable. De toute façon, je l'ai rééteint, je le redis. Tout était éteint. Qu'il n'y ait pas de fausse. Au fond. Ouais, dans les deux petites poches. Non, dans les petites poches. D'accord. S'il vous plaît! N'hésitez pas. Magali fouille dans le sac à dos, donc automatiquement ça bouge, hein, je vais m'excuser. Pourtant je bouge pas. Hein. J'essaye. S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez toucher le K2? Une journée, c'est calme. Alors, c'est l'appareil photo de Magali. Bon, suffit que je tourne le dos, que je déplace la caméra pour que ça s'allume, comme d'hab. Allez, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Allumez-moi le millimètre, s'il vous plaît. La sieste est terminée. On se réveille. C'est l'heure du goûter. Waouh, quel goût. Est-ce que vous pouvez toucher le K2? Bon, à de suite. Bon, ben, nous allons revenir dans la soirée. Nous allons manger là avec Magali. Je vais faire un petit pique-nique.
Voilà, ça c'est l'entrée principale. Hein. Voilà, je. Et voilà, tout ce qui était. Tous les écrits, tous les inscrits, toutes les gravures qu'il y a sur les murs. Voilà, c'est ouvert à tout le monde. Hein. Voilà. Alors, à l'intérieur, j'ai installé des caméras. Voilà, j'ai installé des caméras anti-coupées, qui croisées du moins, en espérant avoir et voir quelque chose. Voilà. Bon, pour l'instant, K2, non, mais le metteur non plus. Nous verrons bien ce soir, je vous dis à ce soir. Voilà. Donc, là, je vous dis à ce soir. Là, on revient à notre cheval favori. Nous allons faire quelques commissions pour pouvoir rester ce soir. Voilà. Magali est très contente d'avoir le. Oh, 04. Non, mais c'est une secousse, je crois. Ah, c'était ce... tu te secoues. Ben, hein? Ça descend, je vais vite. Ouais, mec. Il sait plus où il habite. Ah, il sait plus où il habite, le Paul Melmecker. Ouais, 04. Bon, nous allons reprendre notre cheval favori et. Nous allons faire des courses pour ce soir, faire un petit pique-nique. Voilà. C'est grand, hein, c'est magnifique. Hein, voilà. Voilà, voilà. Hein. Ah oui, mais là, il faut que nous remontions. Alors en haut, là-bas, c'est le château Ferrand. Je pense même qu'on va pouvoir essayer de descendre avec le véhicule. De toute façon, je vais éteindre parce que je serai en plein soleil. Ouais, ouais, je vais éteindre. Voilà, je vous dis à ce soir. Bon appétit pour ceux qui vont manger et à plus tard. À de suite, du moins. Voilà, nous sommes repartis après un bon petit repas pique-nique avec Magali à la grotte. Juste une annonce, si des personnes sont intéressées de participer avec nous amicalement, ça serait sympa. Un petit pique-nique et une petite investigation en toute amitié. Voilà. Je vais faire savoir en mettant ça au point. Voilà. Exemple la grotte, pourquoi pas? Voilà. Donc nous sommes repartis. Après avoir bien mangé. À la grotte. Voilà. C'est sympa. C'est bon à cette heure-ci. Il est plus de 20 heures passées. Alors, j'ai déposé bien sûr les caméras, comme je vous ai dit tout à l'heure. En tir, qui se croise. Voilà. Je vais voir plus tard si j'ai une fluctuation, détection sur caméra. Voilà. Ça, c'est le château. Et nous allons en contrebas. Et oui, ça descend, mes amis. Un peu de neige, on fait de la luge. Youpi, ça descend.
été taillé partout. Alors voilà, nous sommes dans le chemin qui va nous mener à la grotte. Voilà. Nous sommes dans une partie sombre. Ben, s'il y a quelqu'un avec nous, n'hésitez pas, hein, rapprochez-vous. Hein. Merci. Les oiseaux. Voilà les pigeons. Les pigeons pigeons. Voilà, je rentre dans la grotte. Hein. Bonjour. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Mon prénom c'est Eric. Approchez-vous, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. C'est la pierre que j'ai mise cet après-midi pour les caméras. Les autres caméras sont dans l'autre partie, hein, là-bas, ils sont en train de tourner et enregistrer, en espérant avoir des choses. Mais c'est pas facile. À de suite. Voilà. Nous revoilà dans le tunnel de la grotte. Il y a toujours plein de sorties, hein. Voilà. Bon, s'il y a quelqu'un avec nous, bon, nous sommes venus cet après-midi, je suis Eric, je suis avec Magali. Bonsoir. Voilà, 1820. Voilà, nous avançons dans le noir. J'aime le noir. Voilà. La sortie. Bonjour. Y a-t-il quelqu'un avec nous? N'hésitez pas.
Non, ce n'est pas un fantôme, c'est Magali qui nous arrive du sombre. Du sombre. Alors. Bonjour, je suis Eric, nous sommes venus cet après-midi, je suis avec Magali. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Y a-t-il quelqu'un avec nous? Bonjour? N'hésitez pas, rapprochez-vous. Nous sommes inoffensifs, nous ne sommes pas méchants. Nous allons aller à l'entrée principale, tant que Magali. Bonjour! Je vais récupérer les caméras. Parce que je pense que nous avons tourné une bonne heure. Je vous dis, nous sommes à l'entrée principale, enfin l'entrée de la grotte, elle est magnifique. C'est une personne qui l'a construite, hein. C'est pas, c'est une personne qui l'a construite, avec certainement d'autres personnes, mais c'était un avocat. C'était un avocat au XVIIe siècle, c'est ça Magali? Voilà, au XVIIe siècle, qui a construit ça. Voilà. Et il a donné pouvoir à ses héritiers pour, afin de pouvoir l'entretenir. Voilà. À de suite. Je vais récupérer les caméras. Magali est partie en hauteur. Là. Et nous avons une superbe vue. Voilà. Une superbe vue. C'est pas beau ça. Regardez ça. C'est magnifique. Village en bas. Bon, nous ne sommes pas dans les Pyrénées. C'est immense. C'est immense, pardon. C'est pas de mots. C'est trop beau. Voilà. C'est haut, hein. C'est magnifique. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai une chance de PDE. Ce que je veux dire, c'est que j'ai le dictaphone qui tourne. Hein. Quand je vous parle, hein. Voilà. J'ai préparé la spirit box. Voilà. Je vais lancer la spirit box. Magali est partie dans les hauteurs. Plus volume. Voilà. Et. Ah,
vrai que si j'allume pas. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? N'hésitez pas. Mon prénom c'est Eric et vous? Rapprochez-vous. Mon prénom c'est Eric. Et vous? Y a-t-il quelqu'un avec nous? N'hésitez pas. J'espère qu'avec le dictaphone, je vais avoir. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui se manifeste. Bonjour, y a-t-il quelqu'un avec nous? S'il vous plaît. Non, vous inquiétez pas, c'est pas un petit fantôme. C'est Magali. C'est ni la dame blanche. Non, non, c'est pas elle. Non, non, c'est pas la dame blanche. Ouf. Non. Ouh, super. En fait, je téléphone. Oui. Mais sinon, ah. Ah, d'accord. Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? S'il vous plaît. N'hésitez pas. Je vois que la Spirit Box n'a rien donné. Je pense que le dictaphone qui tourne, ça sera peut-être bon. Mais bon. Nous allons aller sur sortir. Bon, mais là il fait beau. Hein. J'avais mis les lampes devant. Je pense que tu peux. Tu les laisses là? Oui. Mais non, je voulais pas les laisser. Hmm? On va où là? On les laisse là. Bon. Je n'ai pas mon bas. Là, bah écoute, il n'y a pas. Il n'y a pas un truc là-bas? Où est-ce qu'on est rentré tout à l'heure? Là. Ici, là. Ah, c'est pas bien. Eh ben oui. Donc, je suis
Oui. Donne, c'est bon. Bon, Magali était partie chercher les sacs. Pareil que bon, il n'y a personne. Hein. Mais personne n'en a vu. Je vais faire un peu mumuse à ma spirit box. Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Y a-t-il quelqu'un avec nous? S'il vous plaît. Mon prénom c'est Eric. Je suis avec Magali. Ah ouais. Bah tu bouges plus. On a un petit oiseau là, vous voyez, sur la pierre. Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? À part le petit oiseau. Bon, vous inquiétez pas, on lui fera pas de mal. On n'est pas là pour ça, on est très gentil. Ah, je sais pourquoi. Voilà le fautif. Je sais pas si vous voyez bien, là. Il y a un nid. Il y a un petit nid. Voilà. Mais pourquoi? Il est tombé du nid. Oh. Bon, on va le laisser pour pas ennuyer la maman. Mais il est là, vous voyez. Voilà, le petit oiseau. Il bouge plus le pauvre. Alors, je sais pas ce que c'est comme, comme race. Laissez quelque chose, un commentaire, parce que bon. Voilà, petit oiseau. Ce n'est pas un fantôme. C'est réel. Alors. Oh, il y a plein de trous, c'est un truc de fou ça. Bonjour. Y a-t-il quelqu'un avec nous? S'il vous plaît. S'il vous plaît, y a-t-il quelqu'un avec nous? Est-ce que tu peux prendre un oiseau, s'il te plaît, en photo? Mon petit oiseau. Oh, il est ouais, non, je n'ai pas eu ça. Ah, approche-toi. Sans, voilà, c'est juste. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Je devrais peut-être pas mettre le flash. Si, si, flash. Tu montes avec le flash. Alors, on va aller faire un tour. Dans l'autre, vous voyez une partie là, ici. Voilà. Une autre partie là. De toute façon, nous reviendrons. Hein. Là, c'est l'épisode 1. Nous reviendrons. Comme j'ai dit tout à l'heure, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour passer une bonne journée, un pique-nique, puis faire une petite investigation en ami, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Je vais brancher la spirit box. Bonjour! Y a-t-il quelqu'un avec nous? S'il vous plaît!
N'hésitez pas. Mon prénom c'est Eric. Et vous? Bonjour. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Y a-t-il quelqu'un avec nous? S'il vous plaît. Bonjour. Mon prénom c'est Eric. Et vous? De toute manière, je dis on reviendra. Parce que nous avons vu sur une vidéo une tierce personne. Que il y a quelque chose, pardon. Bon. Et là, voyons. C'est vrai que là, ça s'arrête. Mais comment on est passé pour pouvoir rentrer dessus? Oui, très bonne question. Bah oui, mais je ne sais pas pour savoir que c'était là, mais... Non, c'est un peu plus... Je pense que c'est là. Et c'est où on était, juste avant. Il y a les bancs. Peut-être. Donc, je vais... Alors, les gens essaient de rentrer. Je ne fais rien. Là, c'est que vous voyez là. Comme cet après-midi, hein. Ouais. C'est immense. Ça, c'est ça que... Bonjour. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Oui, mon prénom c'est Eric. Mon prénom c'est Eric. Et vous? Ah ben, il y a une chauve-souris. Oui, en fait, c'est, je pense que c'est pas les chauves-souris, mais c'est les... Non. Parce qu'il y en avait une en haut, accrochée. Peut-être. J'ai vu après. Bonsoir. Là, on s'est vers là. Bonjour. Bonsoir. Je suis avec Magali. Mon prénom, c'est Eric. Et vous?
Y a-t-il quelqu'un avec nous? Oui? Y a-t-il quelqu'un avec nous? S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez allumer le K2? Bonjour. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Tu fais. N'hésitez pas. Je suis là pour discuter avec vous, pour entrer en contact avec vous. S'il vous plaît. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Quand vous voyez la pierre sculptée comme ça, là. S'il vous plaît, y a-t-il quelqu'un avec nous? On voudrait discuter avec vous. Rentrez en contact, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas méchants. S'il vous plaît. Bonsoir. Je suis avec Magali. On a des appareils pour qui sont inoffensifs. Est-ce que vous voulez bien les toucher, s'il vous plaît? Si vous les touchez, ça approuvera votre présence. C'est notre moyen de... De communication. De réception. Oui? Je vous écoute. Mon prénom c'est Eric, et vous? Est-ce que vous êtes le propriétaire qui a fait construire ce groupe? C'est très joli. S'il vous plaît, n'ayez pas peur, on voudrait rentrer en contact avec vous. N'hésitez pas. J'entends quelque chose, mais bon. Pas sûr du tout. Oui? Y a-t-il quelqu'un avec nous? Faites du bruit.
C'est quoi ce bruit? Comme par hasard, il n'y a plus rien. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez recommencer? S'il vous plaît, recommencez le petit bruit là. Oh. Je pense que c'était mon matériel. Puis, non, non, non. J'ai bien entendu un bip, bip, bip. Tout à fait. S'il vous plaît, y a-t-il quelqu'un avec nous? Allez, soyez gentils. Nous sommes inoffensifs. Ramène-le là-bas, le cadeau. Ah ouais, c'était là, ouais. Ça s'est arrêté juste au moment où... où j'avançais, moi. Juste au moment où j'avançais ici, là. T'as avancé, c'est tout? Oui, oui. Est-ce que c'est vous qui avez créé le bruit? Répétez. Touchez le fil bleu, si c'est vous. Pour nous dire oui. Je pose les appareils. Vous pouvez venir les toucher. C'est inoffensif. Vous avez envie de nous montrer que vous êtes là. Soit vous recommencez le bruit de... Comment on peut l'appeler? Le bip-bip. Un drôle, un bip-bip. Il y avait ça, je pense que c'est ce que j'ai entendu, un bip-bip. Alors je vous le dis de suite, c'est pas mes appareils. Puis un bip-bip sous de la pierre. Bon. Bizarre. Bizarre. Écoute, je vais refaire le tour de... Je vais refaire le tour. Hein. J'adore le risque. Pour l'immobilier. Est-ce que c'est vous? Pareil, pour mettre trois pierres comme ça, faut le faire. Je mettrai peut-être celui dessus, mais pas les deux autres. Hein. Allez, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez envie de communiquer avec nous? Est-ce que Bibi, c'était votre moyen de communication pour nous faire comprendre que vous êtes avec nous? J'ai un appareil qui permet de vous entendre. N'hésitez pas. J'ai le dictaphone plus la spirit box. Alors n'hésitez pas, je vous écoute. Mon prénom c'est Eric. Je vais prendre une photo. Est-ce que vous pourriez vous montrer à l'endroit où vous avez fait le bruit? J'en prends encore. Ça venait d'un petit moment. J'entendais. C'est quoi? S'il vous plaît! Y a-t-il quelqu'un avec nous? Soyez sympa. On adore jouer à cache-cache. Le bip-bip, c'est pas nous. Hein. K2 est toujours là-bas. Avec le même. S'il vous plaît, y a-t-il quelqu'un avec nous? Bon.
fan de la Spirit Box. Ah mais c'est fou ça. Ouais, c'est bizarre hein. Et au début je voulais pas te dire parce que tu sais les clôtures électriques, il y a un truc qui les commande. Non mais il n'y a pas de clôture électrique. Non mais ça peut ici c'est et ça s'arrêtait. Que mais je veux dire c'était tout. Il n'y a pas d'électricité. Ça ressemblait à ce bruit. On n'a pas de téléphone, c'est pas mes appareils, c'est sûr et certain. Il y a bien un bip bip tout à l'heure, depuis tout à l'heure. Instant. C'est fou ça. Il faut que je verrai ça quand je chercherai avec les caméras. Quand je repasserai une vidéo. Bon, les trous que vous voyez là-bas, c'est pour. Je vais vous les montrer, hein, c'est pour les aérations. Hein, c'est pas. Voilà, c'est l'aération. Bon, si quelqu'un nous voit à travers les trous, ça serait gentil de se rapprocher, s'il vous plaît. Voilà. Mais n'inquiétez pas, je suis pas méchant. Je ne risque absolument rien. J'ai une bonne couverture et une bonne assurance. Allez-y. S'il vous plaît. Inquiétant ça. Hein. Bon, voilà la grotte, mes amis. Il est plus de. On va aller là-bas ? Oui, oui, on va aller faire un tour là-bas. Hein. Ah. Bon, le bip bip, si tu veux bien nous suivre, il n'y a pas de souci, tu peux nous suivre. Dans la grotte. Dans la grotte, bien sûr. Nous sommes dans dessous. C'est un truc de fou ce truc. C'est magnifique. La chauve-souris, il y avait une chauve-souris tout à l'heure. Ça sent le papier mouillé, ça aussi. Oui, c'est papier mouillé, papier mouillé. Ils sont beaux, regardez ça. C'est en haut. Ah, ils sont immenses. Alors je m'avance un peu tout en faisant attention parce que je sais que il y a des chauves-souris. J'ai vu une chauve-souris tout à l'heure. Bonjour! Est-ce qu'il y a quelqu'un dans les trous d'aération? Ne vous inquiétez pas, c'est pas des balles qui ont percé ces trous. C'est. Ça a été fait très très longtemps. Est-ce que vous pourriez allumer les petites lumières en touchant l'appareil? S'il vous plaît. Et oui, c'est comme des bancs, je sais pas, des fauteuils. On vient vous voir en ami. Hein. Ah ouais, en ami, oui, c'est sûr. Il bon, y a des écrits. Voilà, les gravures, c'est tout le mur, il est gravé. Hein. Partout, il y a plein de gravures, de maintenant et d'avant. Je vais l'appeler la grotte, la crypte. Qu'est-ce qu'on pense, toi ? La grotte bip bip. La grotte bip bip, le labyrinthe bip bip. Alors, il y en a qui ont gravé, c'est récent. Hein. Donc, ça, c'est très récent. Ça, par contre, je ne sais pas ce que ce mois. J'arrive pas à bien. C'est effacé. 1700 en haut, c'est effacé. Où ? Là ? Non, là. Là ? Non, pas du tout. Ah, ben ça aussi. Oh, puis alors là, dis donc. Alors ça. Oui, bonjour les bébêtes. C'est marqué en latin, ça. Eh ben, dis donc. Et. Regarde ça. Voilà, si. Ben, de loin. Regarde, c'est toutes ces bêtes. Ces bestioles. Ah non, c'est un truc de malade. Regardez, messieurs, dames. C'est un truc de malade. 1901, Champmar. Non, mais là-bas, ce qui est ouais. Fou. Tu es moucheron ? Oui. Bon, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Je suis en train de travailler. Voilà, ça s'est calmé.
Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? À part le nid de bébête, là. Alors, laissez-nous travailler tranquille, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous l'entendez. Oh, mais après les murs, regarde. Ah, bah ouais, non, mais. C'est de malade. Mais là, il y a des inscriptions, mais pourquoi se mettre au frais? Là, il y a écrit Chama, 1901. Et là. 1901. Et là, au-dessus, c'est écrit, mais je sais pas. Ouais, écoute. Je sais pas. 4, 8, 8. Ok. Et là, en haut, il y a encore une inscription, c'est ça que je vais te montrer. Ça part de là. Ouais. Il faut se mettre un petit peu en biais. On dirait en 100. 1178. Mmh, de toute manière, nous reviendrons. Nous reviendrons vous voir parce que c'est intéressant comme site, franchement. Oui. Ah. J'ai entendu un bip bip. Ouais. C'est pas dans sa poche. Mais c'est ça. Oui, mais quoi dans sa poche que c'est pour mourir? Ça m'étonne quand même. Vous faites mumuse? On va le chercher, il y a quelque chose là. C'est dans le mur. C'est incorporé dans le mur. Alors soit c'est par là. D'avoir ce bruit là, ça me dit quelque chose. Ça. Je veux... Il y a un truc. Je me demande si c'est pas une chauve-souris qui s'amuse. Ça se pourrait bien, hein. Parce que c'est impossible qu'il y ait un bip bip là-dedans. S'il vous plaît! Nom de Dieu! J'adore la chasse. Bon, s'il vous plaît! Y a-t-il quelqu'un avec nous? Allez! S'il vous plaît! Y a-t-il quelqu'un avec nous? Je vous écoute. Mon prénom c'est Eric. Et vous? Est-ce que vous pouvez toucher le cadeau s'il vous plaît là? Le bip bip. Bip bip, c'était l'émission. Bip bip. L'autre là. Le chauve. Bip bip. Ah ouais. Ouais. Je m'en rappelle plus. C'est un prénom. Bip bip. Bon, okay. Allez, s'il vous plaît, le bip bip là. Oh, soyez gentil. Est-ce que vous. C'est l'appareil photo de ma gueule, ne vous inquiétez pas. Ça, je me suis est-ce que vous pouvez me dire votre prénom, s'il vous plaît? Moi, c'est Eric, et vous? S'il vous plaît. Allô? Oui, je vous écoute. Est-ce que vous êtes le propriétaire qui a fait construire la grotte? Le bip recommence. Écoutez, 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 attendez, je vais éteindre. Voilà. Écoutez. Oui?
Oui. N'ayez pas peur. Rapprochez-vous. Vous avez arrêté le bruit là. S'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Vous m'impressionnez pas avec le bip, hein. Mon prénom c'est Eric. Vous êtes déplacé. Il est là maintenant. Ah. Arrêtez. Oh, dommage. Vous nous faites visiter la grotte? Alors, on vous suit. Lancez le bip-bip. Touchez-moi le K2, s'il vous plaît. Allez. Bon mes amis, je vous en suis la retordre là. Nous avons un plaisantin dans la grotte. C'est ni mon matériel. Ouais, s'il vous plaît. Allez. Est-ce que vous pourriez vous mettre devant l'appareil pour que je vous prenne en photo? On ne vous voit pas. S'il vous plaît. Vous m'impressionnez pas avec votre bip, hein. Est-ce que c'est votre moyen de communiquer avec nous? Mais déjà pour communiquer, messieurs, dames, il faudrait peut-être me déclencher le K2. Non? Et on fait connaissance. Une discussion s'impose, s'il vous plaît. Jouez pas à cache-cache. Ça vous sert à quoi? N'ayez pas peur. Allez. S'il vous plaît. J'ai un K2 dans la main. Est-ce que vous pouvez le toucher, s'il vous plaît? Oui? Allez, le bip-bip, rapproche-toi. Le bip bip. Rapproche-toi, s'il te plaît. Non, ça me dit. Vous êtes ici? Vous avez arrêté. Est-ce que vous pourriez recommencer, mais en touchant l'antenne bleue? Ou le K2, là, celui-là. Bon, là, vous voyez Magali, elle a la tête en haut. Ça, c'est ici. Hein? C'est là. Mais oui, c'est là. C'est là. Tout à l'heure, c'était là. Après, quand j'ai avancé, c'était là.
juste au-dessus de la tête de Magali, c'est là où il est Bibi. Et c'est dans la pierre. Et la bestiole sera tranquille. Ça peut pas être au-dessus, moi j'ai fait le tour. C'est que la terre, les arbres et ça sort dans, oui. dans le terrain des mines. Et puis un bip bip. Il n'y a rien, il n'y a pas de fil, il y a électrique, il n'y a rien du tout. J'ai vu passer un oiseau. C'est pas lui qui m'a fait la. Si, si. Coucou! Oui, c'est toi! Ah! Je crois, je sais pas si vous l'avez vu dans la caméra. C'est lui, voilà! Allez, rapproche-toi, s'il te plaît! Non, je rêve, c'est un oiseau. Alors, tu vas voir. Je l'ai bien filmé là. Je l'ai... Ah, je t'ai eu! Bip, bip, bip! Il se voit comme ça, un oiseau. Eh ben si. Je sais pas ce que c'est comme race, mais c'est un oiseau. Bon, on va trouver fautif. Ça m'étonnait aussi. Il est par là. Alors, comme vous l'avez vu comme moi à la caméra, j'espère. Allez, approche-toi, n'aie pas peur. Tu t'es réincarné en quoi? En oiseau? Ah, la chauve-souris là-bas. Bien. Regardez, mes amis. La chauve-souris. On va dire, c'est qui? C'est Spider-Man? Non, pas Spider-Man, mes amis. Elle fait sa toilette. Par contre, faut faire attention quand même à. Regardez ça. Je ne sais pas si on la voit bien. Je vais essayer de m'approcher. Là, voilà. Bonjour. Ben oui. On te laisse. Tranquille, la chauve-souris. Si tu vois quelqu'un, tu me fais signe, s'il te plaît. Je te remercie. Je te donnerai du sucre. C'est quoi, tu vas manger une chauve-souris? Non, pas du sucre. J'ai de l'humour. Hein. Ouais, c'est très, 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 très marrant. Toi, il faut prendre ça. Oui, ils ont fait des cœurs et tout. Des cœurs. Des jolis cœurs. Bon, est-ce que vous pouvez me détecter le K2, s'il vous plaît? Déclencher le K2. Donc, comme je voulais, je savais, mais voilà, c'est l'oiseau. C'est l'oiseau. Alors, je pense que c'est la chauve-souris que vous avez vue qui était au plafond. Qui faisait ce bip-bip. C'est bizarre, un bip-bip quand même. Mais j'écouterai, je me renseignerai sur internet. Ouais, mais bon, on a vu une chauve-souris. Je pense qu'à la caméra, tout le monde l'a vu, c'était un oiseau. Voilà, sur cet angle-là. J'ai trouvé le fautif. Après, bon, ben on sait maintenant que le bip-bip, c'est ça, quoi. C'est pour ça, ça m'étonne. Ils ne chantent pas à cette heure-ci, les oiseaux. Ils vont se coucher. Non, peut-être pas. Bon, c'est... Il y a que ceux qui sont dehors, hein. Ouais, mais je sais pas, mais j'ai l'intuition qu'on est, on est suivi. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? S'il vous plaît, à part la chauve-souris. Je ne veux pas être affirmatif, mais... Nous allons approfondir la chose. En long et en large. N'hésitez pas, s'il vous plaît. Non. Oh, faut...
Mon sac est là. Mon sac a donc pas bougé. Bon, s'il vous plaît. Ça serait gentil de venir déclencher le K2, s'il vous plaît. Ah, c'est Magali qui prend des photos. Tu aurais pu prendre la chauve-souris, Magali. Tu veux retourner? Non, mais là, je sais pas. Oui, oui, la mort d'or. Non, maintenant. Ah. Par contre, comment je fais? Donne. Attends. J'ai vu un rond, mais je sais pas si c'est le mur. C'est... Attends, je vais mettre l'émission, je fais des photos. Tu m'en rappelles pas. Bon, est-ce que vous pouvez déclencher le K2, s'il vous plaît, là? S'il vous plaît. Ça, est-ce que vous pouvez déclencher le K2? Allez. S'il vous plaît. Très bien, on va prendre la chauve-souris. Hein. Excusez-moi, hein. On va prendre la chauve-souris pour Magali. Elle est toujours là. Oh, super. Tu veux que je la prenne? J'essaie toujours de regarder la photo. Non, mais approche-toi. Tu la prends à la main, même pas. Parce que... Non, elle n'aime pas la lumière. Oh, donc vas-y, profite-en. Pourquoi c'est pas éclairé le plan du cabinet? De quoi, du cadeau? Il est là, le cadeau. Non, le... Hein? J'y vois rien avec la lumière, en fait. Il est super. Oui. Mais avec le flash, ça va donner quoi? Mais vas-y. Il est marqué, là. Avec le... Parce que moi, je suis en train de la bousiller, là. Ça, c'est ah, pas... j'enregistre, en fait. Non, non. Bon, j'ai tout touché. Eh oui, quand j'ai cherché. Non, j'ai filmé. Non, filme pas, je te dis, je prends une photo. Hé hey. Elle est partie. Bon, elle s'est sauvée. Bon, hein. Elle s'est sauvée. Elle a fait la mal. Tu veux pas. Je ne sais pas. Il a toujours ce bip. Enfin. On va mettre ça sur le compte de la chauve-souris. Bon, est-ce que vous pouvez me déclencher le K2 là, s'il vous plaît? Non. K2. N'hésitez pas, déclenchez-moi le K2 là. C'est celui-là avec la lumière verte. S'il vous plaît. Normal peut-être, non? Ou le plus clair.
sais pas. S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez déclencher le K2 là? Celui-là, coucou. T'enregistres, oui. Bon. Il faut que je réveille l'appareil. Bon bah on va aller... On va aller voir pour l'instant. Allez, à de suite. À de suite. Si je prends le K2, je prends que le K2. Si je prends le premier photo. Bon. Je le prends la première photo, ça. Ouais. On va faire une partie. Tombé. Ah. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? S'il vous plaît. N'ayez pas peur. Sur une des photos que nous avons regardées avec en faisant une petite pause, nous avons vu une orbe. N'hésitez pas. Nous sommes inoffensifs. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Je suis en train de faire la tape box. Sur une des photos, je ne sais pas si c'est affirmatif, mais nous avons vu un point blanc. Qui dit point blanc, qui dit orbe. De quoi? L'endroit, moi, c'était de l'autre côté, il me semble. Enfin. Allez, décris quelqu'un s'il vous plaît. Bonsoir. Moi c'est Eric. Je suis avec Magali. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher? S'il vous plaît. Oui. Je vous écoute. Je vous écoute. Mon prénom c'est Eric. Sur une des photos, nous avons vu quelqu'un, une orbe, un point blanc. N'hésitez pas. Mon prénom, c'est Eric. Nous ne voulons aucun mal.
S'il vous plaît. C'est sûr. Regarde que tu le vois là. Putain, il est trop de bord. Non, moi, je pense que c'est là. Ouais, c'est dans l'autre là-bas. Ouais. Tu peux le. Ouais. Je prends ton sac. Ouais. Tu peux le. C'est sûr et certain. C'est bon, voilà. Ok. Tu prends ton sac. Ouais. Tu peux le laisser sur le banc. Hein. Et tu vas aller où? Ben vas-y, tu vois. Oui. Je vais y arriver. Alors nous allons voir à l'autre endroit. C'est comme par hasard, on ne sait plus. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est là. Sur une photo, on a un point blanc. Bonsoir. Oui, on est venu cet après-midi. On a pris une photo et... Eh bien, il y a un point blanc sur une photo. Je vais poser le... Voilà, Magali va poser le K2 et le melmetteur. Ici. Voilà. C'est l'endroit où j'ai pris la photo du bébé oiseau. En plus. Pose le K2 à côté. Est-ce que vous pouvez toucher le K2 s'il vous plaît? N'ayez pas peur. Nous désirons rentrer en contact avec vous. Ah, j'ai un appareil dans la main. C'est pour vous entendre. Mon prénom c'est Eric. Et vous? C'est comment votre prénom? N'hésitez pas. Rapprochez-vous. Est-ce que vous êtes présent avec nous? Est-ce que vous pourriez toucher le K2, c'est-à-dire où il y a la lumière verte? Ça fera allumer les petites lumières pour nous montrer que vous êtes avec nous, pour nous confirmer. Est-ce qu'on vous dérange? Si vous êtes là, est-ce que vous pourriez vous manifester en touchant l'appareil? Décale-moi la lumière, c'est là-bas. C'est là. Là-bas. Voilà. Mon prénom c'est Eric, et vous? Même le petit oiseau, il était là, et il n'y est plus. Disparu. Bonjour. Est-ce que vous pouvez déclencher le K2? S'il vous plaît.
Mon prénom c'est Eric, et vous? Alors sur une photo, nous avons eu ici même un point blanc. Une orbe. Une orbe. Voilà. Ah, je trouve que je la retrouve. Si par cas. Non, je la mettrai plus tard sur la vidéo, la photo. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous là? S'il vous plaît, rapprochez-vous. Touchez le K2. Mon prénom c'est Eric, et vous? Oh, la sculpture sur le mur, c'est un peu de fou. Est-ce que vous pouvez toucher le fil bleu? Là-bas, contre le mur. Est-ce que vous pouvez me certifier votre présence en touchant le K2, s'il vous plaît? Rapprochez-vous. Prenez l'énergie des batteries. Nous allons revenir. S'il vous plaît. Est-ce qu'on vous dérange? Touchez le K2 pour allumer les petites lumières si on vous dérange. Oui, je vous écoute. On va pas rester longtemps, on reviendra. Si vous le souhaitez, mais pour ça. Bon, voilà, et puis c'est là où nous avons pris ce photo avec Magali. C'est Magali qui a pris les photos, et en regardant les photos pendant notre petite pause, nous nous sommes aperçus que s'il y avait sur ce côté droit où se trouve un peu avant quand même le K2 et le MEL, il y a une fluctuation, une orbe. Voilà. Il y a plusieurs photos d'ailleurs où il y a un truc de bizarre. Enfin, on va voir ça. S'il vous plaît. N'ayez pas peur. Nous voulons rentrer en contact avec vous. Je pense qu'on va stopper pour ce soir. Nous allons revenir, de toute façon, ça c'est sûr. Voilà. S'il y a des personnes qui sont intéressées, on peut venir avec nous. Il n'y a pas de souci. Il suffit de nous contacter. Et on essaie au point. Ici même. Voilà. Épisode 1 se termine. Je vous dis à la prochaine, bonne soirée à tout le monde et bon. Bye bye.